le premier de la journée, en espérant qu'il y en ait plusieurs. Bon, et eh bien voilà, aujourd'hui c'est la canicule, donc je suis arrivé de bonne heure sur le poste. J'ai fait quelques touches, hein, comme vous avez pu voir, mais là je suis plein soleil, j'ai pas de quoi m'abriter, donc je vais changer de poste. Je vais essayer de trouver un poste à l'abri des arbres, et puis on se retrouve donc pour la deuxième partie sur l'autre poste, et je vais vous présenter un appât que j'ai en test en ce moment, et je vous dirai ce que j'en pense et où vous allez pouvoir le trouver très bientôt. Bon, alors comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous parler un peu de ces appâts que j'ai en test. Moi j'aime bien faire travailler les commerçants, les détaillants de pêche, plutôt que de faire des commandes sur des sites internet qui font très bien leur job, hein. Mais on a des commerces de proximité, il faut essayer de les faire vivre, quoi. Donc moi j'ai la chance à côté de mon travail d'avoir un super magasin de pêche, hein. Pour ceux qui sont sur le secteur de Compiègne, c'est Pêche et Nature, hein. Vous serez accueilli par Franck, hein, si vous avez l'occasion de passer par là, vous allez voir, toujours des bons conseils, et il a des prix les mêmes, voire moins chers que sur internet, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Après, quand je suis dans le nord, je vais régulièrement à l'Hameçon d'Or à Cambrai. Donc c'est un magasin tenu par Laurent Clisson. Pareil, toujours plein de bons conseils, des prix à défier toute concurrence. Et puis comme je pêche beaucoup la Somme, et notamment tout le secteur entre Amiens et Abbeville, je vais parler de ce magasin de pêche qui s'appelle DP Accro Pêche 80 à Ailly-sur-Somme. Et cet homme-là, il a décidé de créer ses propres appâts barbeaux parce qu'il sait que sur le secteur, il a plein de pêcheurs qui vont à son magasin, qui pêchent le barbeau. Donc, il a eu la gentillesse de me donner un petit pot de dumbbells. C'est des dumbbells qu'il a fait faire par un fabricant d'appâts. Il a fait plusieurs tests jusqu'à temps qu'il trouve ce qu'il voulait exactement. Donc, vous voyez, c'est des cheesy garlic. Ça, c'est des petits pots qui m'avaient filé. C'est un petit pot où il y avait de l'huile dedans en plus. Ça sentait abominablement dégueulasse, et par contre ça s'avère redoutable sur la pêche des barbeaux, hein. Vous avez vu, depuis ce matin je pêche avec ça. C'est des dumbbells qui font environ 16 mm, donc idéal, hein, pour la pêche du barbeau, et qui fonctionnent donc super bien. Donc si vous êtes du secteur, si vous venez pêcher dans le secteur, il va bientôt les commercialiser, je ne sais pas, je n'ai pas la date exacte. Il voulait d'abord faire quelques tests avec des pêcheurs du coin, hein, notamment mon pote Bruno, que vous avez vu dans une des dernières vidéos que j'ai fait. Et il va bientôt les commercialiser, donc
fais pas de dessin, j'irai bien sûr en acheter un paquet d'un kilo, hein, pour en avoir en plus de mes Poly Robin Red et mes billets crevisses. Et puis voilà, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, contactez le magasin, passez-y, je vous dis, ça devrait sortir très très rapidement maintenant. Tu veux le toucher? C'est gentil, hein? C'est un poisson. Il a de sa poids dedans. On va le remettre à l'eau après, d'accord? Tu le remets à l'eau avec moi? Bon, et ben voilà, les amis, la partie de pêche se termine parce que on est en pleine canicule. Donc là, le soleil est bien haut dans le ciel. La température, je pense qu'on est proche des 40 degrés. Donc, je vais faire une belle pêche, hein, je me plains pas. Je vais rentrer, je vais aller me mettre à l'ombre. Là, je suis à l'ombre des arbres, mais il fait quand même relativement chaud, donc on va aller rejoindre la fraîcheur de la maison. Et puis, une belle partie de pêche, des appâts qui, je vous ai dit, vont bientôt sortir. Pour ceux que ça intéresse, hein, n'hésitez pas à aller voir le magasin. Et sur ce, bah, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt les copains.